Charlène Vandenecker, vous, comme nous tous, on a envie de rejoindre Cabu, Charb, Oui. On les a retrouvés, on sait où ils sont. Cabu et Charb, eh bien, là où ils se trouvent en ce moment, alors vous savez, ils ne croient pas au paradis, donc ils ne sont pas en enfer. Malin les gars, hein, voilà. Et donc, ils ne sont pas en enfer. Donc, Charb et Cabu sont certainement avec les autres gars de Charlie au bistrot éternel. En tout cas, là où ils sont, ça doit ressembler à un bistrot éternel. Ils observent tout ce qui se passe et je peux vous dire, ils se marrent quand même. Je t'ai appelé la presse. Ouais, ça parle de nous un peu? Ça parle de nous, tout le monde nous aime. Ouais, ça change ça, hein. Regarde sur internet aussi, c'est pareil, quoi. Toi, tu détestais le foot? Ah oui, clairement, ouais. T'es en une de l'équipe. Oh putain, c'est pas vrai. C'est moi, ça? Comme Ribéry, putain, la vache. Tu le crois, ça? Oui. Là, c'est quoi, Poutine? Alors, ça, oui. Poutine soutient Charlie Hebdo. Poutine soutient Charlie Hebdo? Je sais pas. Peut-être cette passion pour la liberté de presse. Ah oui, ça change, hein, ça change quand même. À mon avis, c'est une connerie. Il a dû écouter BFM TV. Il s'est dit, il y a un Kalachnikov dans le coup. Ça doit être un mec de chez moi, ça. C'est possible. Je pense. Sinon, t'as celui-là aussi. Ça, c'est. J'ai pas tout compris. Alors, le Qatar et l'Arabie Saoudite condamnent les attentats? Oui, financent les attentats. Ah non, ils auraient dû mettre finance, mais non, c'est marqué condamnent les attentats, ah, putain. C'est condamné. La vache. Un type comme toi, ou comme moi, en Arabie Saoudite, ça a une espérance de vie de quoi? 2 heures, 2 heures quart? Ouais, si les flics sont en grève, hein, sinon c'est clairement moins que ça, hein, je pense. Il n'y a pas beaucoup de grèves là-bas. Il n'y a pas une grosse tradition du syndicat, si tu non, veux. Le syndicat qatari est pas... Oh, putain. Le pape. Même le pape, mon gars. Le pape a prié pour nous. Ça, c'est une vengeance. Une vengeance. On s'est beaucoup foutu de sa gueule. Il se fout de la nôtre. J'avoue. Bien vu. Il est dans l'esprit. L'esprit Charlie du pape. L'esprit Charlie du pape. On l'avait pas pensé. Il y a des people aussi, Johnny, Depardieu, oui. Jean-Claude Van Damme donne tout son soutien à Charlie Hebdo. C'est une blague, ça. Bah oui, c'est une blague, évidemment. T'es con. T'es ça, con. Ça va être dans les unes auxquelles on va échapper. Ça. Ah oui, c'est possible. On prend pas ça. Attends, mais regarde ça, c'est pas une blague. Un tweet de Christine Boutin, mon gars. Je suis Charlie Christine Boutin. Alors ça... J'aurais jamais cru le voir de mon vivant. Non, d'ailleurs, on l'a pas vu. D'ailleurs, on l'a pas vu. C'est pas arrivé, effectivement. Ah ouais. Ça, c'est marrant. Je m'y fais pas, moi. Tu te rappelles pourquoi elle nous a attaqué, Christine Boutin? Non, dis-moi, rappelle-moi. Mise en danger de la vie d'autrui. C'est con, hein, quand même. Hein, c'est con. On est bon, mais même après. Ouais, on est quand même dans le thème. Tiens, il y a une soirée hommage à la télé en plus. Voilà, sur Al Jazeera, j'espère. Non, quand même pas. Non, sur France 2. Oula, c'est présenté par qui? La petite Lapix, là. Ça va plaire à Volinsky, ça. Ouais, je pense. Et sinon, sur TF1, il y a un hommage aussi? Oui, il y a un hommage aux djihadistes. Mais non. Si, ils rediffusent Les Bronzés. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est la une. C'est on la une. Regarde. Alex Vizorek dans le rôle de Cabu. Guillaume Meurice dans le rôle de Charb. Et dans le rôle du piano, Richard Lornac.